A fire boy and water girl in the light temple. Let's play. Et bonjour à tous et à tous, c'est Greg Thug Life 972 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fireboy et Water Girl dans le temple de la lumière et ce sera le dernier épisode bien sûr, hein, vous en doutez parce que il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, pas 3 mais 5 niveaux. Pourquoi 5 niveaux? De base 6 niveaux avec lui, mais lui j'ai tellement galéré à le faire pour le mettre au vert pour que ça soit un beau, pour que ça fasse un beau cercle vert. Du coup on va faire avec ces 5 niveaux restants. Et pourquoi déjà il y a 2 niveaux qui ont déjà été faits. J'ai fait un record, c'était les records auxquels j'enchaînais tous. Là je tourne un autre jour. Et bah avec le record j'ai eu un problème, bah, il s'est coupé et j'avais pas fait attention. Du coup bah pendant je m'amusais à faire 15 minutes de ces niveaux et le reste en mode 35 minutes ça va. Du coup le record bah, il s'est coupé, du coup j'étais dégoûté et j'ai dit je vais recommencer sans que je fasse le niveau 0. On va faire le niveau 34 jusqu'à 38, dont les derniers niveaux qu'on va faire. Et puis bah c'est parti hein. Let's play. Donc Fireboy et Water Girl, hein, vous connaissez à connaître, hein, pas la peine de vous expliquer. Même si j'ai besoin de que. Même si vous avez besoin d'explications, là tu as dégagé ton compte. Voilà, hop, Fireboy c'est le mec de feu que j'arrive à bouger avec les flèches. Water Girl c'est la meuf d'eau que j'arrive à bouger avec les. Avec les claviers, avec les boutons du clavier. Dans jouer QWERTY bien sûr. Donc vous imaginez la touche W, la touche D et la touche A, bah ils sont. Ils sont dans d'autres termes. Ah, j'ai oublié le bruit de la mort, bien sûr. Ah, il m'avait pas mort. Hop, ah, voilà. Hop, ah, non. Putain, j'avais fait du point écoute tout à l'heure. Enfin, l'autre jour, j'avais fait du point. Mais putain. Non, mais on va pas recommencer. Hein. Parce qu'en plus, déjà, que ça, c'est un bruit très très chiant. On va pouvoir. Je préférais lancer une version auquel ça pouvait doser le truc. Ok, et le. Je l'ai. Ah, bah, je l'ai un peu, c'est bien. Hop. Voilà, donc Fireboy, il va aller chercher le diamant qui traîne là-bas avant que ça m'énerve. Parce que déjà, ce bruit en soi, c'est très énervant. Donc, on va dépêcher de faire le niveau le plus vite que possible. Aïe, 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 aïe. Hop, voilà, le petit glisse. Ah bah, j'ai fini, c'est bon là. Ouais, bingo. Oula, j'ai pas envie de faire une gaffe avec Water Girl, parce que sinon je vais faire la gaffe, je sais pas pourquoi je sens la gaffe. Oh putain, yes. Le truc il a bougé d'un mini truc, hein. J'ai pas envie de balancer. On peut terminer le niveau, non? Hop, voilà. Et c'est la fin du niveau, on se barre. Continue parce qu'on s'en fout, on sait qu'on aura du vert. Hein. Ouais. Niveau suivant. Non, lui, je me rappelle plus comment il est. Ah oui, c'est bon, je me rappelle que maintenant comment il est. Du coup, bah, Fireboy il va activer le levier qui est là-bas. Puisque celui il peut aller dans la lave, ou si je me rappelle. Qui va me faire activer. Comment ça s'appelle le switch qui était là. Water Girl, elle va monter pendant ce temps. Water Girl, oui. Water Girl, la meuf 2, elle va monter. Pour activer le bouton blanc, attention. Le bouton, bah, il faut rester dessus pour l'activer. Le levier, bah. Juste un levier, bah, tu l'actives, ça reste activé, hein, c'est tout. Permettre à Fireboy de passer par le lac de lave pour appuyer sur le bouton violet. Non, déjà pour. Allez, non, sortir le bouton violet. Refermer Fireboy. Faire sauter Fireboy. Montez par ici, hop. Vous voyez la qualité, c'est la qualité du jeu bien sûr. Activez le switch. Voilà. On va désactiver ça. Oulala. Là là là. Voilà, voilà. Arrête de freeze. Voilà. Du coup, qui permet d'aller là-bas. Qui permet de. Monter ici qui permet d'attendre ici avec Water Girl, bien sûr la qualité elle est présente hein, je vais pas vous le balancer. Hop, je saute, je récupère le petit diamant de famille. Ah oui, 2 secondes.
Oh, c'est bête. Ah oui, après je suis obligé de redésactiver le pierre, donc je suis resté là. Hop, j'active ça, comme ça ça monte le truc. J'active ça, ça décale le truc. Je désactive ça, et voilà, la fin du jeu est là. Hop, toi tu montes bien sûr, faut les convoquer. Hop. Voilà. Et voilà. Fin de l'histoire maintenant. Bon, faut la thérapie parce qu'on les connaît. Hein. On va pas se balancer. Hein. Et là, c'est un niveau que j'ai pas encore fait. Du coup, le niveau 36. C'est parti. Ah oui, merde, putain. C'est bon, je me rappelle instant. Ouais. Niveau, ma foi, un peu casse-tête. Déjà, cette boule-là, faut la pousser en dernière, histoire d'activer le bouton jaune qui permet de faire ouvrir la porte qui est ici. Déjà, il fait quoi ce levier parce que je me rappelle plus du tout. Bah d'accord. Hop. Ça va où? J'ignore totalement, mais on le pousse quand même. Ah oui, je me rappelle ça, je me rappelle de ça. Ça il va passer, hein. Ouais, bingo. Ok. Retry. Alors, au début, bien sûr, faut faire pousser cette boule qui est là-bas. Ma mère qui rigole, hein. Désolé si vous l'entendez. Hop! Ça, on l'active avec Water Girl. Ouais. Non, mais pousse pas cette boule. Oh, excellent. Parfait. Du coup, ça, c'est fait. Suivante boule. Celle-là, elle va aller jusqu'à où? En fait, il faut activer toutes les boules. Donc, bah, de toute façon, j'ai gagné. De toute façon, je m'en fous, c'est resté activé. Rien à craindre. Voilà, cette boule. Elle va aller juste là-bas. Avec Fireball, il désactive. Je vais permettre à la boule de rouler tout au bout jusqu'à là. Hop, 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 et hop. Et voilà, on a le petit diamant des qualités. Putain, avec le bouton bien bugué aussi. Tu restes là, toi. Hop. Putain. Je pensais que j'allais galérer à faire ces mots, mais en fait c'était tout simple, c'était tout bête. Hein. Des casse-têtes bien sympathiques hein, dans ce jeu, hein, on va pas se balancer. Hop. Et voilà, fin du travail. On peut se barrer. C'était rapide, personnellement, j'ai pas envie de balancer. Allez, suivant, 37. Ah, oulala. Alors, déjà, je vois ce que je dois faire. La lumière qui doit aller là, qui doit frapper là. Le levier qui me permet de, désactiver le truc qui va me décaler par la gauche, d'imaginer, et lui par la droite. Le bouton jaune. Il est où le bouton jaune? Ah non, faut faire le reflet de la lumière, d'accord. On va commencer tout de suite. Hein. De l'autre sens, Fireball. Ce qui va me permettre d'activer ce que je pensais. Par contre, le saut de l'infini, ça va pas le faire. Hein. Je suis désolé. Alors, est-ce que mes instructions étaient bonnes? Oui, elles étaient bonnes. Ça se fait, comme ça, on va laisser activer. Du coup, en fait, il est tout simple, en fait. Là, on va faire viser le miroir qui est là-bas. Ah merde, du coup, je suis enfermé, c'est quoi? Non, attends, non, non, attends une seconde, attends une seconde. C'est un peu bête si je m'enferme, alors... Autant rester sur le bouton qui est là-bas. Comme ça, ça c'est fait. Hop.
fait, c'est Fire Boy qui fait le taf, alors. Franchement. Voilà. Watergirl est juste là pour récupérer les diamants. Lol. C'est quoi ça? Ouais, c'était assez là. Et voilà le taf, comme ça Watergirl pour récupérer. Ah ok, j'ai cru, mais j'ai vraiment perdu dans ma tête ou pas? Non, pas du tout. J'ai cru que j'ai perdu en mode, mais qu'est-ce que je viens de faire dans ma vie? Non, 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 non. En fait, non, il y a Fireboy qui est là, il peut sauver l'humanité. Lol. Heureusement que c'est un jeu en coopération, MDR, je me demanderais qu'est-ce que je ferais tout seul. Même si je suis tout seul, lol. Et voilà, fin du niveau. Allez, zou. Et on va terminer avec le dernier niveau, le niveau 38. Enfin, c'est 37, excusez-moi, du coup. Oula. Le rouge fait tout activer, mais le blanc fait aussi tout activer. Mais il est où le bouton blanc? Ah d'accord, on va attendre 2 secondes. De toute façon c'est fait. Bah non, c'est si c'est Fireboy qui doit y aller. Ouais, fuck Watergirl. Oula, c'est quoi? Ah, c'est un. Oh mon dieu, c'est un jeu calculé. Ou si j'active ça, ça me fait activer ça. Ah putain. D'accord, ok. Ouais. Quoique. Si je peux me préparer là. Moi je m'en fous. Attends, je viens de réfléchir à un truc de fou, j'ai cru qu'il fallait que je speed rush. Non mais tombe pas. Oh bah il est tombé quand même. Ok. On retry, hein. Le jeu le plus calculé de tous les temps, quoi. Là, franchement, les gens, ils ont. Les développeurs, ils ont trop gaffé leur jeu. J'active ça. J'active ça. Je suis sûr que je peux avoir le diamant en attendant encore. Déjà, Watergirl, elle va aller là, parce que sinon, je ne peux pas finir le jeu. Ça veut dire que c'est que. Fireboy qui fait le taf, comme j'ai dit tout à l'heure, Fireboy il fait toujours le taf. Frère, quand même, respecte-moi. Ouais, non, je dois rush parce que sinon ça va pas le faire. MDR. Tiens, y a mon PC qui fume. Et mon PC fait de la fumée, c'est pas bon, ça c'est pas bon signe. C'est quand le PC fait de la fumée, tu te dis que c'est pas bon signe. On va commencer. Unique. Le but c'est que c'est vraiment possible de gagner comme ça, quoi. Oh, merde. J'ai cru qu'ils allaient walk air. Franchement, j'ai pas. Quoique, en fait, si j'ai largement le temps, je suis trop bête. Je peux carrément faire ça, en fait. En fait, si je peux carrément faire ça. Regardez. Pas besoin d'activer le levier avec Waterboy, mais avec Fireboy. Mais avec Watergirl. Comme le levier il est avant la lave, mais pas après. Avant le lac de lave, mais après, du coup, je peux faire ça. Qui permet de faire ça. Je peux sauter là. Récupérer le diamant qui est là. Refaire le tour là et en évitant de mourir, bien sûr. Et du coup, avant d'appuyer sur le bouton. Okay. Avant d'appuyer sur le bouton, du coup, je vais aller là-bas. je vais me préparer pour prendre l'ascenseur. MDR. Respecte-moi, frère. Voilà, là, tu vas respecter. Voilà, du coup là tout est. En fait, c'était rapide ce niveau. C'était plus que rapide. Putain, moi d'une minute le délire MDR.
Easy. Franchement, si j'ai pas vu plus easy. Easy. Du coup, j'ai fini le jeu, ouais, mais pas à 100% parce qu'il y a que du orange, du B, tout et tout. Par contre, la galère de ce niveau-là, c'est un truc incroyable. Hein. J'ai pas envie de balancer. Pas trop tard, j'ai balancé. Je vais vous montrer les différents grades qui existent, hein, franchement. Du coup, on va éviter de prendre les diamants, si possible. Hop, voilà. Il existe plusieurs sortes de rangs. Bon, là, je suis obligé de prendre le diamant, je peux pas me balancer. Voilà. Je fais exprès de zapper les deux diamants pour le moment. Putain, il m'a fait flipper le bâtard. Ok, bon, on va faire un truc. Oula, 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 bonjour. C'était pas prévu dans le plan, ça. Ok. Hop. Wow, quelle synchronisation. Fire Boy et Water Girl synchronisé d'MDR. Hop. Voilà, hop. Voilà le grade quand on n'a pas tous les diamants, bien sûr. Hein. Ça fait un grade violet assez classe, mais c'est quand même moche, on va pas se le balancer. Donc voilà, je vais éviter de faire le petit 35 secondes, parce que ce niveau, pour avoir le vert, il faut faire 35 secondes, avoir tous les diamants et tout, donc flemme. Donc voilà. Quand même vous montrer le 39 et le 40 pour le LOL. Mais si je me rappelle plus, ça ressemble à quoi? Ah si, oh oui, oh. Attends. Si je me rappelle d'un coup. Ouais, si, c'est bien. Il faut faire ça déjà de 1. Ouais, déjà, non. Mauvais bail déjà de 1. Ouais, il faut être dessus. Vous envoyez lui en tout premier. En deuxième tour, vous envoyez lui. Qui va le faire monter easy. Du coup, je peux descendre tout en bas. Comme ça. Ouais, comme ça. Pourquoi j'ai bugué, je sais pas. Pousser la boule pour que je récupère le diamant, mais moi comme j'ai la flemme de récupérer le diamant, du coup comme je suis un thug, on se barre sans le diamant. MDR. Violence, ça me donne un mauvais grade MDR. Donc voilà, bon, le 40, hein, je sais même plus comment il ressemble aussi, la tête du niveau. Ah oui, non, niveau chiant, avec un niveau avec un bruit chiant, on va éviter MDR. Voilà. Donc voilà, voilà. Bon, bah, épisode un peu court parce que lui, j'ai pas envie de faire en 35 secondes direct, hein, j'ai un peu la flemme. Donc c'est ici que c'est un de ce mini let's play rapide, hein, parce que franchement, je vais pas me balancer. Hein. Ça prend 3 heures de jouer tout seul ou avec des amis, hein, maximum. Grand maximum 3 heures, quoi. J'ai commencé le truc, il était 23 heures et j'ai terminé là. De base, j'aurais terminé à 3h du matin, mais comme j'avais un problème avec le record, du coup, j'étais obligé d'attendre. En plus, j'avais pas le PC, donc là, on est quelques jours bien après. 5 jours bien après, je pense, ouais, donc voilà. C'est bizarre que je continue cette vidéo 5 jours après. Donc, du coup, bah, en espérant que cette vidéo vous aura plu, que ce let's play vous aura plu aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de commenter, de partager. Hein. Et bien sûr, si vous voulez jouer avec vos amis, invitez-les à jouer avec vous, chez vous, quoi que ce soit. Et aussi, je viens de me rappeler un truc, aussi, vous pouvez jouer avec vos potes avec un logiciel qui s'appelle Anydesk. Un logiciel auquel vous pouvez contrôler les PC des gens, faire et tout. Ça, c'était le truc des vérifs de Minecraft et tout, un truc de ouf, à l'ancienne, quoi. Et vous pouvez prendre possession de son clavier.
Et du coup, bah, vous pouvez prendre possession du clavier de Fireboy Water Girl. Donc voilà. C'est un jeu, franchement, c'est un jeu vraiment fun. Du coup, bah, je vous invite à le faire. Après, vous pouvez pas le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr. Hein. J'ai pas forcé à tout le monde à jouer à un jeu trop bien. Mais bon, sinon voilà, donc c'était la fin. Donc Fireboy et Water Girl. Attends, wait. On va faire un truc. Donc Fireboy et Water Girl dans le temple de la lumière. Attends, il faut un truc. Là. Non mais frère. Hey. Attends, il me faut une miniature, tu vois. Ah non, non, je vais pas le faire dans... Non, mais en plus, il est mal truqué. Oh, casse-toi, sa bouche. Hop, end. Je vais utiliser dans un autre niveau, c'est un peu mieux, je pense. J'ai pris un niveau hasard, hein, donc je vais pas me casser la tête. Excellent. Hop. Oh, c'est l'amour fou entre Fireboy et Water Girl. Oh là 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 là. C'est bon, c'est pris, non? Je me demande si c'est pris. C'est pas pris? Allô? En plus, j'aime bien leur animation, tu vois, Fireboy avec le feu et Water Girl avec de l'eau. Si jamais je prends une deuxième, hein, je prends une balancée. Voilà. Et je vous dis. Bon, bah voilà, hein, moi c'est fini. Bon, allez, pour le lol, je vais me suicider. Bon, allez, bye bye tout le monde!